Nous vous donnons rendez-vous lundi 3 octobre de 9h à 23h à la Cité des sciences et de l'industrie de Paris pour le premier rendez-vous inédit dédié à tous les talents et à l'emploi de demain. Pourquoi ? Parce que la société civile doit se mobiliser. La cause de l'emploi, c'est fondamental dans notre société. Aujourd'hui, ce sont les institutions et les professionnels de l'emploi qui accompagnent et c'est notre affaire à tous. Et il se passe quoi exactement lundi ? Avant lundi, vous répondez à un questionnaire sur internet sur notre site www.festivaleclore.fr. En fonction de vos réponses, on vous propose un parcours personnalisé à travers une trentaine d'ateliers collaboratifs et la rencontre avec plus de 70 intervenants. Et le soir, ça m'apprend quoi, les ateliers ? Ça va vous apprendre ce pourquoi vous êtes fait, quel est votre projet professionnel, ce qui correspond vraiment à vos envies. Si on est fait pour être salarié, par exemple ? Par exemple, ou entrepreneur, ou si vous deveniez artisan, pourquoi pas ? Donc vous allez avoir une exploration sur plein d'univers professionnels. Ensuite, à 16h30, une cérémonie inspirante avec des gens incroyables comme le frère Samuel Rouvillois, qui est prêtre, philosophe, expert au MEDEF. Et ensuite, on finit le soir un speed dating. Comme toi. Oui, Riyad aussi. Votre serviteur. Qu'est-ce que tu feras ? Tu iras chercher des gens ? Je vais sentir un petit peu ce qui se passe sur la journée et inspirer avec mon expérience en tant que sportif, en tant que militant associatif, en tant qu'entrepreneur. Donc j'ai des casquettes dans l'emploi, des fois qui est rémunéré et souvent bénévole. Et je pense que c'est important de pouvoir être avec vous et vous donner envie de pouvoir trouver votre voie. Et le speed dating ? Le soir, 1000 personnes dans le hall de la Villette pour prendre des contacts. On repart tous au moins avec 5 contacts. Et le clou de la soirée, c'est la soirée festive. Il y a une petite dizaine d'artistes le soir, des poètes, des chanteurs, qu'on fasse la fête tous ensemble. On vous attend. On a besoin de vous.